Si vous êtes passé dernièrement par Saint-Amand-les-Eaux, vous avez dû vous en rendre compte. C'est sur la zone commerciale de la Rocade Nord que l'essentiel des activités commerciales se sont implantées ces dernières années. Restaurants, bowling, hôtels, cinéma, shopping en tout genre. On trouve tout sur la zone commerciale. Avec pour conséquence un glissement du centre économique et social du centre-ville vers l'extérieur. Problème ! Et le centre-ville dans tout ça ? C'est donc au cœur du centre-ville, sur la Grand Place, que nous avons décidé de mener l'enquête pour comprendre comment notre ville est aménagée. La Grand Place de Saint-Amand-les-Eaux, aujourd'hui, c'est ça. Les travaux ont débuté en juin 2017 et dès le mois de janvier 2018, ils ont été stoppés par les premières découvertes archéologiques. Ces travaux continuent toujours, aujourd'hui, et ont permis la découverte en janvier 2019 d'un pont de l'époque mérovingienne. Malgré ces aléas, l'objectif de la mairie est clair. Coût du projet, plus de 6 millions d'euros, financé à 50% par les aides de la région, du département et de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. La municipalité a emprunté les 50% restants. L'impact de ces investissements attendus par le maire est lui aussi très clair. Un centre commercial et tout ce qui se passe autour de la Rocade, avec le Pasino, c'est 4,5 millions de passages par an, c'est-à-dire que c'est une force commerciale qui passe dans la ville, certes pas au centre-ville, mais si on arrive à capter par une attractivité à la fois touristique, à la fois historique, avec les bâtiments de la tour et de l'échevinage et le commerce local relancé et modernisé, on doit pouvoir capter beaucoup de chalands dans notre centre-ville. Les premiers effets de ces aménagements sont-ils déjà visibles ? L'ouverture en mai 2018, au beau milieu des travaux, d'un nouveau bar sur la Grand Place est peut-être le début d'une longue série. En tout cas, chez le commerçant du centre, la fin des travaux est attendue avec impatience. Le chiffre d'affaires sur l'année 2018 et puis 2019 commence toujours dans les travaux. Donc je pense que ça sera encore une année difficile durant les travaux. Seules les 70 places de parking contre les 205 auparavant font débat. Moi, j'attends qu'une chose, c'est que ça soit terminé. Je suis ravie qu'on puisse moderniser un petit peu les choses, que cette place elle puisse réavoir une belle aura, parce qu'on a quand même des atouts majeurs. S'il peut y avoir un peu moins de places de parking sur la place, ça ne me dérange pas. Donc je suis pressée de voir la fin des travaux. Vous l'aurez compris, il reste encore beaucoup d'attentes et d'espoir autour de l'aménagement de la Grand Place. Mais il faudra s'armer de patience pour voir si le cœur de ville de Saint-Amand-les-Eaux battra de nouveau.